navette entre le buffet et la plage, là, ouais. Ouais. Enfin bref, tu vas devoir bosser si tu veux être à la hauteur. On doit marquer la différence en Champions League. On va devoir surprendre les équipes. Écoute-moi bien, fiston. Être un joueur d'appui, c'est le meilleur moyen pour toi de te retrouver titulaire en Coupe d'Europe. L'entraîneur pense que t'as toutes les qualités, mais tu dois travailler ton jeu de tête. C'est pas vraiment mon point fort. Ouais, eh ben, ça va le devenir. Sinon, tu regarderas les matchs de Coupe d'Europe depuis ton salon. Enfin, c'est à toi de voir. Notre objectif, c'est d'épuiser l'adversaire pour nous créer des occasions dans les dernières minutes. Ça aide quand il faut accélérer en fin de match. Je veux donc des passes chirurgicales. Et j'en veux beaucoup. Bon, on a fini. Bon après-midi, les gars. T'inquiète pas, mec. Quoi ? Moi, à m'inquiéter ? On me demande juste de changer complètement mon jeu à un moment crucial. C'est rien, ça devrait être facile, ouais. Une simple formalité. Tu dois juste adapter ton jeu aux besoins de l'équipe. Regarde Vinny, il a débuté comme milieu. Maintenant, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux. Si tu sais t'adapter, t'iras loin dans ce championnat. Ah ouais, tu crois ? Ouais, bien sûr. En plus, tout ce que t'as à faire, c'est de rester là. Et j'y arriverai comment ? Parce que tu m'as moi. Ouais, t'as sûrement raison. J'arrêterai jamais de le dire. T'es doué. D'accord, merci mec, vraiment.
Salut à tous, on est à Newcastle aujourd'hui, St James Park avec Pierre Ménès. Salut Pierre. Bonjour everybody. Newcastle United. Pour ce match, vous allez retrouver Newcastle face à Manchester City. The Newcastle United line. Number 22, DeAndre Yedlin. Number 6, Jamal Lascelles. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Doublé lors de son dernier match avait marqué les esprits et en pleine confiance. C'est vraiment St James Park, un stade à l'anglaise, hein, comme on les aime. C'est un stade sublime en plein centre-ville, un stade qui sent la bière et qui peut accueillir 52 000 spectateurs. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2, disons plus classique. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Ah, il dégage ce ballon. David Silva. Gundogan. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire. Ça va être un 6 mètres pour le gardien. Emeric Laporte. Mendy. Oh non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Kaysong Yuen. Salomon Rondon. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Matrici. Et ce ballon est intercepté. La frappe. Ah, le ballon qui est parti dans les tribunes. Mendy. Benjamin Mendy. Williams. Gundogan. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Sterling. Il va pouvoir centrer. Le bon ballon. Et le but. Le but signé Danny Williams. Et quand on voit un geste d'une telle pureté, on se demande ce que peut faire le gardien face à une telle reprise de volée comme celle-ci. Bon, pas grand-chose, Hervé, voire même rien. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. C'est ça. Et la joie de Pep Guardiola, c'est normal, il fait du bien ce but, c'est son équipe qui mène maintenant. City a l'avantage dans ce match. Ballon bien intercepté par Emeric Laporte. David Silva. De Bruyne. Williams. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. La passe est interceptée par mise en jeu pour les Citizens. Et pour Dani, Gundogan, David Silva avec un tir. Gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Un corner, allez, l'occasion pour cette équipe peut-être d'accentuer son avance. Ouais, bien appliqué sur ce corner, David Silva. Alors, touche longue ou une touche courte, on va voir. Élevé. Yoshinori Muto. Kaysong Yuen. Salomon. Le tir. Il repousse le tir. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Allez, une touche bien placée pour City. David Silva. Ah, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Ah, la bonne inspiration sur cette passe. Non, ça, c'est plutôt moyennement joué.
La seule, ça. Williams. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Non, elle est interceptée cette passe. Ah, il a fait l'effort là-dessus, loin du but adverse. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Gundogan. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Manchester City qui mène donc. Et la seconde période qui débute à l'instant. Williams. Qui se mène. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ils sont positionnés très haut, il la récupère. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Benjamin Mendy. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Williams qui prend sa chance de loin. Sans aucun problème pour le gardien de but. Danny Williams, vous l'avez trouvé bon sur ses 45 premières minutes, Pierre? Ça lui dit, son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. La seule, ça. Shinori Imoto. Qui soumène. Il perd le ballon. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Ça s'agite sur le banc de touche. Plusieurs changements à venir. Matrici. Ah, il va centrer. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Otamendi. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Non, on a compris l'intention. Mais c'est un l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Ah, bien parti, le corner de David Silva. Ah, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. L'entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. La porte. Benjamin Mendy, David Silva. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Ouais, très bonne passe à De Bruyne dans l'espace. Ouais, cette fois, il ne trompera pas le gardien. C'est un bon arrêt à mettre à son actif. Ouais, changement normal après tout. Ce n'est pas à eux de faire le jeu maintenant. Emerick Laporte. On écarte le jeu. C'est le défenseur qui touche le ballon en dernier. Corner donc. De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. Ok, pour Manchester City. Riyad Mahrez. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Et il envoie le ballon très loin. Williams. David Silva. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Ah, clairement, ils vont tenter de verrouiller, de tout blinder maintenant. Benjamin Mendy. Et le ballon qui va heurter la barre avant de finir au fond du filet. Ça me donne toujours des buts spectaculaires hein, quand le ballon frappe la barre transversale avant de rentrer. J'adore ça. Oh, mais ça, c'est parce que t'es gourmand. Il y a ce but
toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Manchester City goal. Christian Atsu. Danny Williams. La seule, ça. Shelby. On s'approche de la zone de vérité. Un petit peu d'espace pour centrer. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Williams, De Bruyne, il prend sa chance. Ouais, la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. Je vais essayer de relancer vite. 3 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre, David Silva. La passe est interceptée. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Il est un petit peu cerné là. Et la rencontre qui se termine sur cette dernière action et donc cette victoire de Manchester City. Le match qui se termine avec un excellent résultat pour eux. Je suis en ce moment même aux côtés de l'homme du match, Danny Williams. Ouais, arriver jusque-là, c'est fantastique. Mais il faut rendre le mérite au vrai héros, c'est-à-dire à toute l'équipe. Être homme du match, c'est un peu... Je dirais un petit cadeau bonus, parce que j'ai la chance d'avoir une bonne équipe chaque semaine qui passe. Bien dit, Danny. Merci de nous avoir parlé. Pas de problème, merci à vous. I reached the level, wanna be is undescribable. My little vid went viral, now they're telling me I'm viable. I know it's in my town, a couple man that don't abide the rules. I contemplated cruelty and I stumbled across a crime. Didn't wanna replicate the type of drama father saw. Certain man they carve a nasty sore, I'm probably laugh it off. Never could relate to that. Went to the estate and back to see my fam. I'd always pass a super young Jamaican man. A couple times they clocked me and said, what am I? You keep it. Luckily for me, it weren't a drama catching up and speaking. But for certain man they're bopping by, they're gonna cause kerfuffles. And I knew they'd always rap about it. In the duffel, so I hated that my brother and my sister shared the garden with him. Still, I found a passion for the rapping and I started spitting. Couldn't lie to get as good as I, you gotta know your lines. Write a lyric every night, build yourself a lyric library every single different type. Singing like spitting hype. Now I drop a written and they wishing that I slip.
standing firm, I hold my ground like I don't give a. Never did I give a. I'm getting taking flight. Never did I give a. Never not a little bit. You can tell them Sol and Wizzy sitting soaking by them indie kids, soaking by them Disney. You know them boy, they're in the mix affected. Every day it gets nearer to twist. Get low, I'm about to flow. They loving the way I be giving them energy. All of my brothers are one step ahead of our enemies, planning and doing it heavily. Stepping up in the vicinity, man, I be giving them the rhythm. All of my brothers be telling me that they be missing it. I'm doing it terribly, rolling around with a couple, then couple, a couple, a couple, a couple, a couple, then rolling around with a couple of G's and a couple of dots. I be rolling with Scooby. I'm down, I'm out here, I'm rolling, I'm about it with this bouncer. I might box him and just bounce it. Here, here, do the Tom and Jerry. Chase me for the T's, I'm going overseas to get it. If she want get qualified for that cheddar, she ain't looking to repent. She got them like a medic. A little dirty sign, probably got a germ or sign. Looking good for 65, but this was 30 sign. Burn ya, catch ya, the early, certain garden jam. Feeling for like Debbie Duncan's geriatric doctor's gonna feed me nut and I'm a younger. Still my stock is ticking, so I already sleep or slumber. Without a pot to f***, and I just bet to keep it on. How you supposed to pay the rent if you ain't making beef for lunches? Never could relate to that. Went to center stage and back to see my fans. Always pass a group of young Caucasian man. They'd always try and stop me and say, what, how you keep it? Luckily for me, it weren't a drama chatting about achievements. But for a couple man, they're in the scene, they're gonna cause kerfuffles. Cause they always wanna rap about in the duffel. Don't wanna be friendly to people putting pee in their pocket. I don't agree with that concept, I think it's really obnoxious. Never could relate to that. Find a way to make the cash. Tell them Sol and Wizzy sitting moaning how he pays the tax. Face the facts, I need to be rapping. Cause whatever I dropped in the recently I did, yeah. Tell them, do the Tom and Jerry. Chase me for the cheese, I'm going overseas to get it. And if she won't get guala, probably for that chin. She ain't looking to repent, she got it like a medic. A little dirty side, do the Tom and Jerry. Chase me for the cheese, I'm going overseas to get it. And if she won't get guala, probably for that chin. She ain't looking to repent, she got it like a medic. Bonjour à tous, on va suivre la finale de l'UEFA Champions League ensemble. Quand je dis ensemble, c'est avec Pierre, bien sûr. Ah oui, 90 minutes, on l'espère, de plaisir, voire plus. Hein. C'est une très belle affiche qui nous attend aujourd'hui avec ce match entre Manchester City et le Bayern Munich, Pierre. Oui, entre un grand d'Europe et un autre qui aspire à le devenir. Ça va être compliqué. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. Alors, tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage du système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Voici la composition du Bayern Munich aujourd'hui. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Ça donne un corner pour Man City. Ah, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Il y a du monde sur lui. Ah, quel exploit il est en train de nous faire là, quel coup de rein. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Fernandinho. Ah, impeccable ce tacle, le ballon qui file en touche. Famille des champions dont le prestige se renforce d'année en année. Oui, tu as plein de gros clubs qui veulent la gagner, mais parfois il n'y a pas moyen. Le Bayern qui est l'un des clubs qui a disputé le plus de finales de Champions League. Mais il en comptait déjà une bonne dizaine avant celle-ci. Le centre au second poteau, ah, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée, un grand soulagement du gardien. Allez, petite combinaison sur ce. Attention à cette action, Fernandinho. Quelle maladresse, Fernandinho! Ah, j'y ai cru à l'ouverture du score dans cette finale de Ligue des Champions. Allez, va y aller, il va y aller, Agüero. Il parvient à stopper cette offensive. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire. Kai Walker. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Kevin De Bruyne. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Le roi Sané. Et corner. La défense du Bayern qui va devoir être attentive. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty sur ce corner. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné.
pour Sterling. C'est dans le paquet. Ah, j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Il est allé au bout de son geste, mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. Kimmich. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Et attention sur les prises d'appui aussi. Ce ballon qui sort en touche avec cette tête. Lewandowski, la frappe. Ah, c'est dommage, vraiment. Ouais, ça manque de précision, quoi. Kevin De Bruyne. Il donne un ballon piqué. Le roi Sané. Idéalement placé là pour le centre. Sané. Et le gardien, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Score nul et vierge pour le Bayern. Bientôt la mi-temps ici. Ah, pas belle cette passe. Hein. C'est cadeau. Fernandinho. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Le roi Sané. Sané. Ah, c'est pas loin. Pas loin du tout. Il a voulu jouer en finesse, c'est bien vu, mais ça n'a pas payé cette fois. Donc Ribéry. Alors le ballon est perdu. Et on va jouer 2 minutes de plus. Le roi Sané. Oh, il a pris un gros risque. Hein. Il prend sa chance. Un tir à la mi-temps dans cette... Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA Champions League avec ce premier ballon. Lewandowski. Müller. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Oh, c'est l'interception. Sterling qui va peut-être déborder. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Bien repoussé par la défense. Ouais, bon ballon, bien récupéré par le Bavarois. Robert Lewandowski. Oh, le gardien qui s'enflamme. Il a décidé de jouer dans le champ, mais il est complètement fou. Le tir. Ah, c'est marqué de peu. Ouais, il a cherché à marquer sans frapper comme une brute, mais c'est loupé. De peu, mais c'est loupé. Robert Lewandowski. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Sterling. Il va s'appliquer sur ce centre. Faute et coup franc pour le Bayern. Allez, il faut le mettre celui-là. Le roi Sané. Oh, c'était dangereux de tenter ce tacle dans la surface. Un tunnel, ce pour écarter le danger. De Bruyne. Ah, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Il est dépossédé du ballon. Mats Hummels qui s'est bien imposé au plus haut niveau comme défenseur central. Oui, il est très grand, mais il n'est pas si facile à déstabiliser. Attention à la frappe. C'est sans problème pour le gardien. Un petit peu d'espace, il peut centrer. Allez, dégage, très loin. Avec un tir. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir.
Non, elle est interceptée cette passe. Ederson. Kyle Walker. Ouais, ça sort. Ce sera une touche donc. Oh, la touche qui est interceptée. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. La passe est interceptée. Oh, c'est assez ouvert hein, sur le côté. Attention, l'attaque de Manchester City. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Fernandinho. Un tir lointain. Et l'arbitre accorde un coup franc. L'arbitre se contente de sermonner le joueur. Et pas de carton pour cette fois, mais enfin attention pour la suite. Alors, est-ce qu'il va tenter sa chance? Parce que ça fait quand même super loin. Hein. Oh, c'est contré ce tir. Enfin, c'est interdit de gâcher des occasions comme ça. S'il enlevait ses mouches, ça irait peut-être mieux. Hein. En même temps, il joue avec le pied. Ouais, c'est pas fou. 3 minutes à jouer dans cette partie, sans compter le temps additionnel. Le dégagement pour éloigner le danger. Fernandinho. De Bruyne. Sterling. Ils attaquent. Une belle occasion de mettre la main sur le match. David Silva. Benjamin Mendy. Oui, il va centrer. Le temps réglementaire est donc terminé. La suite de cette finale de Ligue des Champions. Avec la première moitié des prolongations. La passe qui va directement en touche. Arjen Robben. À la bas. Lewandowski. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Sterling, il va s'appliquer sur ce centre. Et le gardien, c'est pas fini. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Petit aveu d'impuissance. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il a pas cadré. C'est un adversaire qui récupère. Faute et coup franc pour le Bayern. Elle était bien placée, pointe en profond. Ah oui, bien donné cette passe en profondeur de David Silva. Oh, la grosse faute alors que il partait au but. Attention, anéantissement d'une action de but, ça sent l'exclusion. Rouge, un carton rouge. Regardez, mais enfin l'arbitre ne fait qu'appliquer le règlement. Hein. Même s'il n'est pas sous. Kevin De Bruyne. Oh, il passe pas loin du tout ce coup franc. Et à cette distance, c'est déjà un exploit. Hein. Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention. Oh, superbe sauvetage du défenseur au tout dernier moment. Ouais, la lutte est après pour reprendre ce ballon. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Bien repoussé par la défense. C'est la fin de la première période de la prolongation. Les équipes qui vont seulement changer. C'est parti pour ce qui sera, quoi qu'il arrive, la toute dernière période de ce match. Hein. Et rien n'est encore fait, Hervé. Attention, le ballon a été dévié. La touche est ratée et le ballon est perdu. Lewandowski. Et le voilà qui réussit encore une intervention défensive. Ouais, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire.
Oh, le vilain tacle. Où l'arbitre va sévir, à mon avis. Robben sur le côté. Miller. 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer dans cette rencontre. Ah, faute, mais ça joue, ça profite au Bayern. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, il a tenté de faire le spectacle, hein. Dommage. Espérons qu'il continue. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Oh, que c'est bien donné ça. Gabriel Jesus. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Un tir lointain. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Deux minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées. Où ça s'agite autour de l'arbitre. Ouais, c'est le jaune. Sané. Égalité parfaite. Le prochain tireur, c'est De Bruyne. Eh bien tiré ce penalty, c'est fait. Impeccable, plein de sang-froid. Ça va être au tour du Polonais Lewandowski. Oh, le gardien sauvé par son poteau. Oh non, il le manque. Oh, c'est sur le poteau. Il a voulu trop bien faire. David Silva va être le prochain. Et c'est dedans, bien frappé. Un arbitre, mais... Et c'est à Franck Ribéry maintenant. Et c'est dedans. Beaucoup de tranquillité. Et ça rentre, parfaitement tiré. Ouais, serein le gars. S'il ne marque pas, c'est terminé. Ouais, c'est dedans, sans trembler. Hein. À aucun moment il a douté. Tir au but, décisif. Surtout, ne pas craquer. Oh, il a tenté la Panenka. Le gardien avait l'air d'avoir senti le coup. Le dernier tir au but pour l'histoire, c'est fait. Il remporte cette finale de l'UEFA Ligue des Champions. Au bout du bout du bout du suspense, Pierre. Ils ont douté jusqu'au bout, mais cette fois, c'est officiel. Ils repartent avec le trophée. Le gardien sûr de lui, qui